Le grenadier était bel homme, il arrivait de Nuremberg. La princesse arrivait de Rome et débarquait du chemin de fer. Le voir l'aimer pour la princesse, ce fut l'affaire d'un moment. Elle lui fit part de sa tendresse avec transport et sentiment. Discours de fatigue, monsieur. Mais le gros soldat de planton, le bras gauche sur le pantalon, très bien compris. Sourd à l'invitation. Et pourquoi donc? Pourquoi? Et parce qu'il était en plomb. Parce qu'il était en plomb. Bien sûr que ce déjeuner était excellent. Mais qui te porte du déjeuner, mon grand idiot? Je suis en train de t'expliquer que ta place est parmi nous, les francs-maçons. Dans la citadelle de la libre-pensée. Mais... Et toi, tu fais le raisonneur. Oncle Sosten, je ne vais dans aucune église, aucun temple, aucune synagogue, aucune mosquée. Pourquoi irais-je dans vos lieux de réunion à vous? Tu seras un jour franc-maçon parce que tu es mon héritier. Est-ce que je me fais bien comprendre? Parfaitement, oncle Sosten. Vois-tu, Gaston? Oh, nom de Dieu, nom de Dieu! Vous êtes souffrant? Oh, je suis barbouillé! Vous n'auriez pas dû prendre de pied de cochon après la tête de veau? Mais le pied de cochon est la spécialité du café Pénélope, qui appartient à mon ami Jules Mouton, franc-maçon comme moi. Donc je prends du pied de cochon. Ah non, c'est ce poisson bouilli qu'Henriette m'a fait manger le vendredi qui me torture le ventre. Ben voilà, ben non, mais tous les samedis, j'ai les boyaux en feu. Oh non, Dieu, pourquoi j'ai pas une servante normale, une fille de la République? Il a fallu que je tombe sur Henriette. Oh. Toujours fourrée dans les robes de cette crapule de jésuite. C'est lui qui l'oblige à faire maigre. Je vais te dire pourquoi, moi, Sosten Gagneur, rentier de profession, je suis franc-maçon. C'est que nous, les francs-maçons, nous avons des principes. Tout le monde en a. Les nôtres sont plus élevés. Plus élevés? Oui, je veux, mon neveu. Et de quel genre de principe s'agit-il? Celui de se secourir mutuellement, par exemple. Et se secourir mutuellement, n'est-ce pas un principe chrétien? Non, chez nous, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Eh bien, parce que ça n'a rien à voir. Oh, bah si ça n'a rien à voir. Je veux, mon neveu. Oh, nom de Dieu! Le jésuite! Et c'est reparti. Hors de ma vue! Parasite, serpent, chenille! Oh, monsieur Sosten, vous n'allez pas recommencer! Et pourquoi je ne recommencerai pas? Tu t'es arrêté de pervertir les esprits, toi? Hein? Mais quel mal vous ai-je fait? Quel mal? Vautour, cafard! Ta religion et toi, vous interdisez à l'homme d'être l'homme. Libre-t-il? Je ne vous attaque pas. Je vous laisse croire en ce que vous voulez. Voilà bien de tes manières sournoises. Chacal, anguille. Apprends que nous faisons de la libre pensée l'arme qui tuera le cléricalisme. Je ne vous empêche pas de voir les choses comme vous voulez, mais pourquoi vous en prendre à moi? Tu as peur, hein, crapaud? Mais réfléchissez, à quoi vous sert-il de provoquer Dieu? C'est toi le provocateur, le nuisible. Je vous pardonne encore une fois. Je t'interdis de me pardonner. Et ne t'avise pas de me bénir, buzard! Corbeau! Crois pas cette fois moi, adinois! Vampire! Mon oncle! Allez! Chien d'homme! Crois! Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu, nom de Dieu! Oh nom de Dieu! Henriette! Alors, Henriette! Oh! Henriette! Monsieur? Henriette! Oh, ça va! Alors,
Henriette, jamais j'aurais cru. Monsieur me demande? Oui, il faut que je sorte vite, c'est urgent. Qu'est-ce que vous faisiez quand je vous ai appelé? J'ai épluché des pommes de terre. Vous n'étiez pas en train de marmonner une de vos prières ridicules par hasard? C'est pas aimable ce que vous dites, monsieur. Déjà que vous m'avez obligé à ôter mon crucifix de la cuisine. Pas de crucifix sur mon toit. Mais c'est pour votre bien, nom de Dieu, je vous l'ai répété 100 fois. Henriette, savez-vous ce que je viens de découvrir? Ah, Mozart, Henriette. Mozart lui-même. Mais qui c'est? Mais Mozart. Mais le grand musicien, voyons. Mozart était comme moi. Et quoi, comme vous? Franc-maçon. Encore un! Oui, encore un frère. Hein? Voilà! C'est autre chose que vos bondieuseries, nom de Dieu! Allez, ma chemise, mon pantalon! Allez! Oh, nom de Dieu! Il n'y a pas de semaine sainte qui tienne! Le laurier dans la dôme! Oui, dans la maison, non! Quoi? À bas la calotte! Croix, 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 superstition de bonne femme! Croix! Jules! Sosten. C'est une nouvelle. Mozart, le grand Mozart, l'immense Mozart, était des nôtres. Quoi, tu veux dire? Je veux dire que toi, Jules Mouton, propriétaire du café Pénélope, tu es le frère de Mozart. Bon sang. Jules, tu dois exiger de ton pianiste qu'il joue du Mozart. Chez un franc-maçon, on doit écouter de la musique de franc-maçon. J'y aurais jamais pensé. Il en jouera du Mozart, sois tranquille. Ça tombera même très bien. Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est le commencement de la semaine sainte. Oh, nom de Dieu! Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, je dis que ça se fête, ton lingroin. Avec du jambon, des pâtés, du bœuf en sauce, du vin de Bordeaux et de Bourgogne, du champagne, comme s'il en pleuvait. Bravo, Sosten. Allez, demain, ta meilleure table. J'inviterai mon neveu Gaston et puis Mozart. Oh, des saucisses au chou. Et Mozart. Oh, mais Mozart, ça va avec tout. Et depuis que je sais qu'il était des nôtres, Mozart m'apparaît sous un jour nouveau. Oh, c'est beau. Oh, mais c'est tout juste si je le reconnais. Jouer comme ça, c'est certain. Monsieur le bel esprit, ne commence pas à nous assommer avec des plaisanteries qui n'amusent que toi. Allez, mes enfants, à table. Alors, vieux bandit, tu te régales? Ah, voilà ce que j'appelle manger, nom de Dieu. Je dédie ces saucisses au prince Napoléon, qui était des nôtres. Au frère du tsar, qui en est aussi. À Voltaire. Au général Cambronne. Mon prince de Galles. Au roi Humbert. Et ajoute les caboches couronnées, qui sont nos frères. Tu y viendras, Gaston, tu y viendras. Tu es déjà un vrai patriote. C'est le premier pas. Encore une religion? Pardon? Le patriotisme est une religion comme une autre. C'est l'œuvre de toutes les guerres, messieurs. Tu vas arrêter avec la religion à la fin? Traite de curé, particulier. Vous n'en êtes pas loin. Vous avez remplacé la croix par le triangle, voilà tout. Et au lieu de vous signer quand vous vous rencontrez, vous vous chatouillez le creux de la main. Comment? Oui, votre différence, c'est le chatouillement. Ah, Gaston, tu vas finir par me faire regretter de t'avoir couché sur mon testament et de t'avoir invité à déjeuner. Ce serait dommage, mon oncle, car je raffole des saucisses au chou. Alors, à la bonne heure. Tu reconnais que tu n'es pas aux ordres de ces stupides croyances?
Et tu fais gras la semaine sainte, hein? Certes, mais je ne le manifeste pas. Cible. Tu Allez. Fais gras. Hein, tu fais gras. Bien gras, mais... Il n'empêche que je ne comprends pas en quoi cela vous gêne que d'autres ne mangent pas de viande. Et non, Gaston, ça suffit. Fais gras et tais-toi. Madame Le Gadeau. Monsieur Le Gadeau, j'espère que votre déjeuner vous a plu. Le poisson, c'était quoi déjà? Du merlan, chère madame. Très recommandé pendant la semaine sainte. Ah, zut, j'ai pris un pied de cochon. Ne vous inquiétez pas, l'église ferme les yeux sur le cochon. Ah bon? À cause de Saint-Antoine. Saint-Antoine? Le saint patron des charcutiers. Ah oui! Oui. Vous en êtes sûr? Absolument sûr, monsieur Le Gadeau. Un honnête commerçant se doit de connaître les us et coutumes de toutes les croyances. De toutes? Mais il y a les grandes et les petites, quand même. Notre religion, par exemple, elle se situe au-dessus des autres. Je l'ai entendu dire, en effet. Moi, vous savez, j'ai les idées larges. Sauf pour les francs-maçons. Oh. Des profiteurs qui déshonorent notre pays. Je les sens de loin. À propos, quelle était cette musique que nous avons entendue? Du Mozart, cher Bala. Avec le merlan, c'était très bien. Au revoir, mouton. Et tous mes compliments pour le cochon. C'était un honneur de vous le servir. Et bonne semaine sainte. Allez, viens. Monsieur le directeur, monsieur Sosten demande la tournée de l'archevêque. Eh bien, allez-y. Je sais pas ce que c'est. Vous lui apportez toutes les liqueurs. Toutes les liqueurs, oui. Et aussi du cognac. Oh, bah oui, du cognac, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de moi. Une idée autour de Mozart. C'est frais, c'est printanier, n'est-ce pas? De saison. Ça vous plaît? Ici, c'est une maison sérieuse, maçonnique. On y joue du Mozart d'Arthur. La poire, monsieur. La chartreuse et le cognac. T'es prêt, Jules? Prêt. Jusqu'à 20? Jusqu'à 20. Ce jeu est stupide, mon oncle. Ce jeu est circonstance, mon neveu. C'est la semaine sainte. Attention, attention, la tournée de l'archevêque va commencer. 3, 2, 1, partez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Magnifique, quelle tenue, Sosten. Bravo, bravo, t'es le plus fort. Un canard. Oh, monsieur, le bel esprit. Le bel esprit accepte votre tournée de l'archevêque, mais sans provocation. Je lèverai mes verres non contre la religion, mais pour le bonheur de l'homme. Bien dit. Dansons la carmagnole, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Il vaut mieux que tu raccompagnes ton oncle. Pourquoi vous avez peur qu'il s'échappe? Prends garde qu'il s'étouffe pas. Allez-y. Ne descendez pas, voyons. Ok, c'est dangereux.
Mon Dieu, dans quel état il est? Mais je fais grand, monsieur. C'est la semaine sainte. Sainte. Vous savez ce que je dis au furet? Au curé! Mais non, je ne veux pas le savoir, mais vous devriez avoir honte. Alors, c'est la rose. Monsieur ne mérite pas d'avoir un neveu aussi dévoué que vous, monsieur Gaston. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que je me comporte en héritier. Bon, allez, on y va, on rentre. Ouais. Allez. Mais il me répondra. Et non, non. Mais Oui. Mais ça s'arrange. Ah non. Non. Oh, Seigneur. Un neveu aussi dévoué que moi. Allons, Clemrire. Il va pas être déçu. Ça va être farce. Fils, c'est pour un malade. Un malade désespéré qui réclame votre saint ministère. Un malade, oh mon Dieu. Révérend, je vous dois la vérité. Ce malade est à la fois mon oncle et votre pire ennemi. Mon pire ennemi? Je n'ai pas d'ennemi. Il y a dans notre ville un homme qui prend plaisir à vous tourmenter chaque fois qu'il vous voit. Il vous traitera d'innoir, de corbeau, et se moque de vous en faisant croire. Oh, Sosthène au gagneur. Lui-même. Il a été pris il y a une heure d'un terrible malaise. Je crains qu'il s'agisse d'une grave maladie. Ce qui me fait penser cela, c'est qu'à peine dans son lit, mon oncle a été saisi d'une grande peur de la mort. Tous les mêmes. Son désir de vous voir est sincère et profond. Vos conseils peuvent sans doute le secourir. Et peut-être voudra-t-il se confesser. Oh, il ne sera pas le premier qui éprouvera le besoin de se rapprocher de l'Église avant de franchir le redoutable pas. Ne perdons pas de temps. Allons. Vous ne refusez pas? Il est de mon devoir de ramener au troupeau les brebis égarées. Surtout quand elles le réclament. Mmh. Dépêchons-nous. Ne m'en veuillez pas de ne pas vous accompagner au chevet de mon oncle. Mes convictions ne me le permettent pas. Pour tout vous dire, j'ai même refusé de venir vous chercher. Aussi vaudrait-il mieux ne pas avouer que vous m'avez vu. Mais dans ce cas, comment justifier mon ministère? Dites que vous avez été prévenu de la maladie de mon oncle par une sorte de... révélation. De révélation? Oui. La force de son appel, son désir d'être en paix avec lui-même était telle que vous les avez entendus. Vous avez accompli ce soir une action d'une grande bonté, mon fils. Si, oui. Savez-vous qui m'envoie? Le Seigneur lui-même. Je vais mourir. Je vous entends mal, mon fils. Mourir? Oh, quelle importance. L'essentiel est de mourir en paix. Que dois-je faire? Vous souvenez-vous, lors de notre dernière rencontre, n'ai-je pas entendu de votre bouche ricanante? Tu as peur, hein, crapaud? Eh bien, Sosthène, tu as peur, hein, mécréant, misérable, avoue. J'ai peur. Sais-tu que, lorsque j'étais missionnaire en Afrique, j'ai sauvé le chef de la tribu d'une maladie contre laquelle le sorcier lui-même ne pouvait rien.
Bon, il va le foutre à la porte ou le flanquer par la fenêtre. Je pourrais t'en raconter encore et encore des prodiges. Bon, la première fois, tu vas me dire, c'est un hasard. La seconde, c'est une coïncidence. Mais à la troisième... Ah, la troisième, c'est la divine providence, mon fils, mon frère. Minuit, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Je me demande si j'ai pas... Tiens, j'ai repoussé en priant une invasion de sauterelles. Et c'est vicieux, une sauterelle. J'ai aussi fait tomber la pluie et sauvé de la famine une tribu entière. Et c'est obscène, la faim. Ah, vous êtes encore là. Ah, quelle chance. Il m'en arrive une. Bah, mais remets-toi. Que se passe-t-il? C'est mon oncle, Sosten. Alors? J'ai voulu lui faire une farce. Une farce, quelle farce? Oh, je vous en prie, ne m'en veuillez pas. C'est une idée stupide, bête que j'ai eue. J'ai voulu m'amuser. J'ai pensé, enfin... Je me suis dit... Qu'as-tu fait? J'ai... Voilà, j'ai fait croire à ce jésuite. Vous savez, croire... que mon oncle voulait le voir avant de mourir. Je pensais qu'il serait immédiatement flanqué à la porte, mais il n'est toujours pas sorti. Ah, si j'ai bien compris, contre sa volonté, Sosten a été obligé d'écouter un curé. Henriette l'a fait entrer dans la maison, en tout cas. Mais Henriette n'y est pour rien. Tu as fait entrer un curé dans la maison d'un libre-penseur. Ta soi-disant farce n'est rien d'autre qu'un crime. Je suis confus. Tellement confus. Oh, si tu avais vu le regard de ces pauvres gens, écouter leurs suppliques. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Eh bien, Sosten, attends-tu qu'à ton tour, je te sauve? Mais... Car je connais ta maladie, Sosten. En accomplissant ce geste, dont la bassesse le dispute au ridicule, tu as trahi. Trahi, Sosten, mon ami, mon frère. Je pèserai de tout mon poids pour que jamais, jamais, tu ne deviennes franc-maçon. On ne reçoit pas les traîtres. Adieu, Gaston. Évite désormais de fréquenter mon établissement, tu n'en es plus digne. Il fait mieux que dans ma cuisine. Cependant, il faudrait bien que j'en ai un aussi. Vous irez aujourd'hui même en acheter un. Le bon père nous a recommandé de nous adresser aux demoiselles Pontalec à côté de l'église. J'y vais de ce pas, monsieur. Certaines choses ne peuvent attendre. Une cuisine sans crucifix, c'est une daube sans laurier. Entrez! Bonjour, monsieur Gaston. Bonjour. Ah, oh, Gaston! Oh, mon pauvre enfant, j'ai été bien malade, tu sais. Comment cela, mon... Oh, comment j'ai failli mourir! Oh, mon Dieu, une indigestion comme j'en avais jamais eu. Et
sais-tu ce qu'il y a de plus étrange? Sais-tu qui sort d'ici? Ben, le jésuite. Tu sais, ce brave homme que je pouvais pas souffrir. Ce brave homme? Ah, oui, il a eu une révélation, mon état. Une révélation, mon nom? Oui. Quel merveilleux mystère, n'est-ce pas? Il a entendu une voix qui lui disait de se lever et de venir me trouver parce que j'allais mourir. Une voix? Oui. Une révélation, je te dis. Oui. Ce que je ne comprends pas, mon oncle, c'est que vous ayez reçu ce jésuite. Vous, un libre penseur. Un franc-maçon. Je le sais. Mais j'étais si malade, si malade. Il m'a soigné avec un grand dévouement toute la nuit. C'est lui qui a dit Henriette ce qu'il fallait me faire prendre. Il m'a sauvé. Tu sais, ces gens-là sont un peu médecins. Si je comprends bien, il vous a fait passer votre envie de faire gras. Non mais ne plaisante pas, Gaston. Cet homme-là m'a été plus dévoué qu'aucun parent. J'entends qu'on respecte ses convictions. N'entends pas mes oreilles, mon oncle. Vous quittez la franc-maçonnerie pour la religion. La religion est une espèce de franc-maçonnerie. Oh, mon oncle. Comment? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais je fais de la place pour les livres pieux que m'a recommandé le bon père. Oh, nom de Dieu. Gaston, ni jurons, ni blasphème dans ma maison. Au nom de Dieu! Mais enfin, et vos amis, vos frères, et Mozart, vous avez pensé à Mozart? J'en ai parlé au bon père, figure-toi. Ah, oh, tu devineras jamais ce qu'il m'a répondu. Non, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Mais Mozart, le grand Mozart, on l'appelait le divin. N'est-ce pas merveilleux, le divin Mozart? Enfin, c'était sans doute pour se moquer de lui. Mais ne dis pas ça, malheureux. Sais-tu que Mozart a composé des messes? Non, mais entendu, des messes! Des messes, oui, des messes! Oui, des messes. C'est beau. Alors, je vais pouvoir dire à chacun qu'il est temps d'ouvrir son cœur. Jamais je ne me suis senti en telle communion avec mon prochain. Le bon père m'a parlé des missions des jésuites en Afrique. Oh, si tu savais ce que ces hommes ont fait là-bas. Oh, c'est très beau. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'ils ont peu de ressources. Alors, les grands voyages coûtent cher. Oh, puis alors, bâtir des églises, plus cher encore. Et soutenir les pauvres, les nécessiteux, quelle misère. Alors, j'ai décidé que ma fortune serait la leur. Votre... Oui. Vous voulez dire... Mais oui, mon cher neveu. Le bon père sera mon unique héritier. Mais je sais que tu m'approuves, car toi aussi, tu es un cœur pur. Au nom de Dieu. Eh bien, Sosthène, je vois que tu accomplis ta pénitence dans la joie. Oui, mon père. C'est donc que tu regrettes d'avoir mal agi sous l'influence de mauvaises gens? Oui, mon révérend. Tu ne feras plus jamais le corbeau? Plus jamais le corbeau. C'est bien, mon fils. À bas la calotte! À bas la calotte!